Nous allons poser ensemble des lames vinyles à clipser, une manière extrêmement simple et rapide pour relooker une pièce. Pour le matériel, vous aurez besoin de sous-couches pour stratifier, de lames vinyles à clipser, de quarts de rond et de clous tête d'homme. Pour l'outillage, vous aurez besoin d'un cutter, d'un rapporteur de forme, d'un kit de pose pour stratifier, d'une scie manuelle et de sa boîte à onglets, d'une équerre et d'un marteau. Pour démarrer, on va pouvoir poser la sous-couche. On démarre par le côté gauche de la pièce. Puis on déroule jusqu'au bout avant d'araser. On prend donc la première lame, la petite languette vers nous et on la pose dans le coin gauche de la pièce. On prend soin de poser les cales de dilatation entre le mur et la lame et on va faire ça sur tout le pourtour de la pièce. Lorsque l'on arrive au bout de la pièce à droite, donc on va devoir faire une coupe sur la lame suivante. Pour ceci, petite astuce. On place une lame sur la toute dernière, exactement au même emplacement, puis une seconde par-dessus qui ira se coller au mur, toujours en prenant soin de garder les quelques millimètres de dilatation ici. On la met jusqu'au bout, puis avec le cutter, on va couper cette lame, donc la lame qui est en dessous ici. Et c'est donc celle-ci, une fois coupée, qui ira au bout de la rangée. Pour démarrer la seconde rangée, on va donc se servir de la chute de la dernière lame de la première rangée. Vous me suivez? Alors, on va la poser au bout. On garde toujours les quelques millimètres sur le bord de la plinthe. On appuie. On peut poser notre cale. Et ensuite, la seconde lame de la deuxième rangée. Donc, de la même façon, on la place bien en haut à gauche et sur toute la longueur aussi. Et on appuie bien. C'est clipsé. Lorsque l'on arrive sur des coins, comme par exemple les bâtis de porte ou les tuyaux de radiateur, le rapporteur de forme sera votre meilleur allié. En effet, il va nous servir à tracer le gabarit. On le colle sur la dernière lame et ça nous indique le gabarit à dessiner sur la lame pour ensuite le découper. Lorsque l'on arrive sur la dernière rangée, généralement, elle ne fait pas la largeur d'une lame, donc on va devoir les découper dans la longueur. On pose une nouvelle lame par-dessus celle qui est déjà posée. Par-dessus, on en pose encore une nouvelle qu'on va venir poser près du mur, toujours en laissant nos 5 mm. On va pouvoir venir découper directement en suivant cette lame. On pourra donc récupérer ce morceau-là pour venir le placer. On peut maintenant poser la lame qui est à la bonne taille et faire de même pour les suivantes. Une fois toutes les lames posées, nous allons pouvoir nous attaquer aux finitions. Comme ici nous avons déjà des plinthes, nous allons juste poser des quarts de rond dans le coin. Pour cela, on va enlever toutes les cales de dilatation, puis mesurer, appliquer les mesures sur nos quarts de rond et les découper et ensuite les clouer. Après avoir reporté les mesures sur les quarts de rond, nous allons pouvoir les couper. Surtout, sans oublier de couper à 45 degrés si c'est un quart de rond qui va dans un coin. Comme ça, les raccords seront parfaits. Maintenant que les découpes sont faites, on peut venir placer les quarts de rond et les clouer. On va placer un clou à peu près tous les 40 ou 50 cm. Et voilà, c'est terminé. Petit conseil, pour personnaliser votre sol, n'hésitez pas à choisir plusieurs coloris de lame vinyle.